Tu vois les amis, alors aujourd'hui nous voilà à Nouzonville, donc voilà, on est parti pour une petite séance photo. Donc là je me trouve juste devant la mairie, donc je pense qu'on va aller en forêt. Donc là j'y vais avec ma mère, donc Claudia Masson 7 qui tient et qui jure que par le groupe Cliché des Légendes, Cliché Lycée d'ailleurs, désolé, son ancien nom. Donc je vais y aller avec, on va faire des photos et on va voir ce que ça donne avec des petites séances de films. Donc voilà. Allez, moi j'avance directement, je la rejoins chez elle. Ensuite, on va faire un petit diaporama, plein de photos. Je vais en faire un diaporama et ça va faire un beau petit diaporama sur Nouzonville. Elle m'a dit on va à la roche, mais la roche de où? Je sais pas du tout. Allez, c'est parti! Nous voici partis cette fois à Nouzonville. Au fin fond de la forêt, une forêt très féerique, avec sa blancheur. L'hiver est toujours là, et oui, gris et monotone par temps de pluie, poussant nos fleuves hors de leur lit, morne journée pleine de mélancolie. Pourtant si beaux au premier frima, saupoudrant la nature de blanc d'un bel éclat, scintillante, immaculée, au plaisir des yeux, cette neige qui recouvre les toits et les bois, luge, bonhomme de neige et autres jeux, grands et petits s'en donnent sa cœur joie. Même s'il fait froid, soyons optimistes et patients, pour accueillir tranquillement et sereinement, je pense, le retour du printemps. Voilà, ce petit diaporama va être fini. J'espère que vous aimerez cette petite vidéo, que vous mettrez un petit j'aime, que vous le regarderez jusqu'au bout, car un petit vlog va suivre. Regardez comme c'est beau, la nature. Elle est belle, bien faite. Regardez la capture de l'instant présent. Si l'instant présent pouvait rester présent, mais hélas, le futur arrive. Et j'espère que ce futur nous apportera encore tant de belles choses dans la forêt, tant de belles choses à photographier, tant de belles choses à prendre en vidéo. Voilà, c'était un petit diaporama sur la neige. Alors, likez, aimez et abonnez-vous. Voilà, ça n'a pas de prix, car la nature n'a pas de prix. A tout de suite, je vous laisse avec Claudia Masson. Que je vais vous présenter vite fait, car elle n'aime pas trop la caméra. C'est ma mère qui est sur le site Cliché d'ici et d'ailleurs l'administratrice, et qui a beaucoup de j'aime, qui fait de très belles photos, qui est amatrice. Elle pose beaucoup de photos sur le site de Nouzonville, dont je tiens à dire qu'elle a beaucoup de j'aime et qu'elle a le badge de talent visuel. Voilà, tout comme moi avant, et maintenant je fais un nouveau Facebook, donc je repars de zéro, mais la chaîne ne repart pas de zéro. Donc si vous voulez plus de photos, plus de diaporamas, abonnez-vous et cela m'aidera. L'entraide est importante en ce moment, surtout avec le temps qui coule. Regardez cette belle vue par exemple sur le Bachir. Regardez cette neige moussue. Regardez aussi ce petit sapin. Et ensuite le chemin. Ce chemin. Regardez comme c'est beau. Je vous laisse admirer en silence la fin du diaporama. Alors n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Merci et à tout de suite pour le vlog.
prendre une photo. Voilà les amis, donc voilà, vous voyez le chemin. Donc voilà comment c'est un peu, je vais vous montrer derrière. Ouais, ils sont pas superbes les photos. Donc vous voyez. Alors voilà, je les ai fait avec Claudia Masson, donc, qui est admin du groupe Cliché Lycée d'ailleurs, je vous invite en lien à vous abonner. Attends, je vais me mettre dessus. Donc je vous présente la personne. Bonjour à la caméra. Elle est un peu timide, c'est normal, hein, comme tout le monde. Ben, ce qu'elle sait pas, c'est que quand il va y avoir 500 vues sur la... Puis que les vidéos, ils restent hein, sur Internet. Bon, ben là, on cherche un endroit bien sympathique pour faire la photo de fin. Voilà. Donc, la photo, on va se prendre en photo nous deux. Et puis, voilà, on aura fini le diaporama. Et ensuite, vous pourrez revenir à vos occupations. Allez, ciao les amis. A plus, et surtout prenez soin de vous et de votre santé. Alors voilà les amis, j'espère que ce petit diaporama vous a plu. J'espère que cette petite photo, ce petit poème écrit par Claudia Masson, ensuite j'ai un peu improvisé parce que le poème était trop court pour les photos, donc voilà, j'ai un peu improvisé que c'était important de s'abonner, voilà. Alors pourquoi c'est important de s'abonner, j'y reviens, c'est parce que je vais refaire une playlist en fait. Il y aura une playlist A, la playlist A, ce sera la playlist découverte. Il y aura une playlist B, la playlist B, ce sera la playlist diaporama. Il y aura la playlist C. La playlist C, ce sera la playlist où on va visiter des bâtiments. On peut faire aussi des urbex. Et il y aura, alors c'est librement, et il y aura la playlist D. Une playlist qui est très très importante. La playlist D, c'est la playlist où je ferai moi-même des vidéos avec des personnes sur les lieux. Sur les lieux des légendes, sur les lieux de... Voilà. C'est surtout sur la SMOA que ça va se baser pour l'instant. On va faire ça sur la SMOA. On va pas faire trace de nos guerres car j'ai été voir, les chemins sont pleins de broussailles. Vous verrez rien, ça sert à rien. Par contre, je vais faire à Verdun une exploration de jour et de nuit, nous irons faire l'exploration de deux forts abandonnés. Ce sera un peu de urbex, mais c'est quand même magnifique à voir. Et j'expliquerai aussi l'histoire, comme j'ai fait pour le mémorial de Verdun, où j'ai envoyé le diaporama. Le diaporama est disponible sur le site mémorial de Verdun. Désolé. Donc voilà, le diaporama est disponible en téléchargement, donc il coûte je crois 0,99 centimes. Voilà. Sinon on a fait un peu le tour. Donc sur la dernière playlist, la D, voilà. Donc la première vidéo, c'est on va aller chez une dame avec un monsieur. Cette dame connaît tout sur ce mois, donc elle va pouvoir nous aiguiller et tout ça. Je vais lui demander, elle va sûrement nous montrer des photos, tout ça. Et on ira aussi chez une dame dans la deuxième vidéo qui a 95 ans, et là on va pouvoir revenir sur l'histoire de ce mois, l'histoire industrielle qu'il y avait, comment c'était avant et tout ça. Donc voilà, la playlist D, c'est vraiment la playlist qui va peut-être lancer la chaîne. C'est vraiment, j'irai voir les associations, on va prendre
des initiatives, on ira voir le maire en direct ensemble, dans les vidéos pour lui proposer, voilà, par exemple, des ramassages de masques, voilà, combien on peut ramasser de masques, voilà, et faire une moyenne dans les Ardennes, combien de masques on a ramassé, parce qu'il faudrait quand même faire des choses pour les masques, faire des bennes pour les masques, des bennes stérilisées, distribuer aux gens des sacs stérilisés, donc voilà. Donc il y aura plein de choses sur la playlist D qui va être la plus intéressante, parce que ce sera un peu l'histoire des Ardennes en vidéo avec les personnes qui vont nous parler, voilà, comme un peu comme France 3 TV Ardennes. Ce sera des reportages avec les personnes sur les lieux, chez les personnes, voilà. Et donc, et la playlist A, c'est moi-même qui avec Steve, donc quelquefois, parce que Steve voilà, sera pas toujours avec moi maintenant, donc voilà, donc il travaille beaucoup, il a beaucoup de boulot, donc la playlist A, ça sera vraiment comme vous avez vu à la chambre, quoi. Les découvertes, tout ça. Donc voilà, au niveau des playlists, je ne les ai pas encore faites, mais ils vont être faits. Donc abonnez-vous, c'est le mot de 2021, abonnez-vous. Je vais aussi créer mon site web avec des vidéos inédites. Donc des vidéos que vous n'aurez que sur mon site web. Et il y aura ma boutique en ligne, dont je vais revenir sur le prochain vlog. Donc vous pourrez avoir des petites bougies comme cela, avec la photo que vous choisissez autour. Vous pourrez avoir des calendriers comme ceci. Voilà. Comme ceci, voilà. Là, c'est sur les animaux, par exemple. Donc, voilà. Pareil avec mes photos aussi. Et vous choisirez vos photos ou... vous choisirez vos photos ou tout simplement moi aussi je vais faire des calendriers, voilà. Il y aura des stickers aussi, des lots de stickers, il y aura des photos en format photo, il y aura photos sur toile, donc voilà ce que vous désirez. Donc je fais un boutique sur Etsy, donc Etsy c'est plein de mini boutiques où les gens font à la main leurs choses. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc j'ai juste à vous souhaiter de bien vous tenir au niveau de coronavirus. Surtout, portez-vous bien, à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner et activer la petite cloche pour être au courant de tout ce qui va sortir. Allez, salut les amis.